Céline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de This War of Mine, The Little Ones. Alors c'est un jeu qui apparemment, vous avez pas mal apprécié, hein. Ce jeu, je vous avais quitté, c'était, on venait de passer la deuxième nuit, donc on va arriver au jour 3. Ce que je me rends compte, en fait, je me suis un peu renseignée sur ce jeu, j'en ai un peu discuté autour de moi, et je suis assez contente parce que les gens, je me disais, oui, t'as un peu fleur bleue et tout, ça va aller loin. Et en fait, je me rends compte que les gens ne banalisent pas non plus les choix. Les gens sont comme moi, ont un peu du mal, et je trouve ça bien, en fait, parce que bon, allez, c'est devant la difficulté de ce papa et autres, et devant la dureté de ce jeu, surtout. Ça fait un peu réfléchir, et c'est pas plus mal. Alors, comment as-tu pu me laisser, Nonki? Et elle est en déprime, j'imagine bien. Alors, il y a quelqu'un à la porte. Je peux pas y aller, j'imagine, parce qu'il parle. Oh, elle a eu si peur. Alors. Mais je suis là maintenant. C'est un peu le souci, hein, c'est que tu peux pas non plus rester là pendant des heures. C'est vraiment un tiraillé entre faire ce qu'il faut pour qu'elle continue de survivre et continuer à parler avec elle en sachant qu'il y a le temps qui passe et qu'on a des choses à faire. Non, non, non. Oui, parle. Alors, nous habitons à quelques pâtés de maison d'ici, comme vous avez trouvé refuge dans ce bâtiment, et que nous allons être voisins, nous avons décidé de venir vous dire bonjour. Nous vous avons apporté quelques légumes de notre jardin, bon appétit. 5 légumes. Ok. J'aurais dû mourir la nuit dernière. Ok. Alors, on m'a dit que quand elle avait ça, il fallait absolument lui parler, c'est parce qu'elle avait besoin de communiquer. Ce que je comprends très bien. Bon, lui, il a faim, il a besoin de repos, elle est en déprime. Donc comme elle est en déprime et pas seulement triste, j'ai un petit peu peur des réactions si jamais je m'en vais et qu'il se passe encore quelque chose de mal cette nuit. Donc ce qu'on va faire, on va la laisser parler. On va essayer de récolter de l'eau et ce genre de choses. Et on va pas sortir cette nuit. Ce que je voulais faire, j'avais le secret espoir que si on retournait à la maison où on a été cette nuit, qu'on donnait à manger à la fille, peut-être que la fille allait venir avec nous. Et donc on avait quand même quelqu'un, même si elle ne la connaissait pas, dans la maison pour l'aider et ça la rassurait. Le problème, c'est que j'ai peur. Je me dis, elle va pas mourir en une nuit. Maintenant, si elle a vraiment pas mangé en 2 jours, peut-être qu'elle peut. Donc j'ai un peu peur. Donc du coup maintenant dans nos affaires on en est comment? On a de la nourriture. À mon avis avec ça on peut facilement pas sortir cette nuit. On a un peu de bois, on a pas mal de composants, donc ça c'est bien. Donc on va peut-être pouvoir travailler dans la maison. Peut-être sécuriser un peu la maison. Je sais pas combien de temps ça dure en fait. Bon allez, c'est bon quoi, il est midi là, t'as passé la matinée à parler avec elle. Oui, toi, hop, allez, on y va. Alors, t'as besoin de repos, elle, comment elle va? Elle est triste maintenant, bon, c'est déjà un bon point. Tu vas me faire des filtres pour de l'eau, parce qu'on nous a pris notre stock d'eau. Ça par contre, c'est un peu ennuyant. On va en faire deux, fabriquer. On va les faire travailler ensemble, ça va peut-être l'aider de travailler avec son papa. Donc lui, il va aller ouvrir la porte et il va faire ça pendant que lui fera ça. D'abord, on va. Il a un peu faim. Attends, fais du combustible. Non, pas à partir de ça, à partir du bois. Comme ça, tu pourras faire à manger. Est-ce que toi, tu peux faire à manger par hasard? Peut te rendre utile à quelque chose ou pas du tout? Toi,
Tu vas aller faire de l'eau. Nah, évidemment pas. Ok. Ah, elle a encore besoin qu'on lui parle. C'est parce qu'elle est triste. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Des gens sont venus ici cette nuit. Ils sont venus nous voler et nous faire du mal. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Oui, bah quand tu trouveras la réponse, ma grande, tu me le diras. Lui veut épargner de la nourriture. Ok. Alors, tu vas aller ouvrir la porte. Toi, tu vas le suivre. Ah, on sait prendre la les... C'est monté qu'à 1 à l'escalier. L'échelle, je veux bien encore qu'elle attende, mais... Mais vas-y, alors, déverrouille. Non, 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 pas toi. Toi. Déverrouille-la si t'as de quoi faire. J'ai besoin de quelque chose pour ouvrir cette serrure. Et quoi, on n'avait pas les... Ah non! On n'a pas fabriqué tout ça. Ah mince. Bon, oh. Mince. Et on a de l'appel, on a l'appel encore hein, dans nos affaires. C'est l'appel qu'on a. Je sais pas si c'est là ou là. Toi comme t'es triste, est-ce que tu maintenant tu peux peut-être être en état d'aller jouer un petit peu le temps que je fasse quelque chose? C'est pas ici, ça doit être ici dedans. Non, 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 toi tu vas jouer, pardon. Hop, toi, là. Bah mine de rien, il est déjà 6 heures, quoi. Hop, tu fabriques. Ce qu'il faudrait faire, c'est... Est-ce qu'on a pour faire un deuxième lit? Parce qu'il faudrait qu'on dorme tous les deux. Sinon, il va être fatigué demain. Est-ce qu'on peut faire un deuxième lit? Oui, fabriquer. Et placer. On peut pas le placer là. Mince, je l'ai passé le lit à des endroits où... Faut pas mettre un deuxième lit à côté de là? Non. Bon, tant pis. On va mettre le lit là. Je pense pas que ça posera des soucis. Allez, fabrique ton lit. Et puis après, c'est bon. On ira faire dodo. Enfin, vous irez faire dodo tous les deux. Peut-être le fait de passer la nuit avec son père va aussi la rendre autrement que triste. Hein. Ah, zut. Ah, bah on peut dormir à côté de l'enfant en fait. Ça c'est bien en fait. Avec un lit pour les deux. Ah zut, j'avais su. Bon allez, on va rester aujourd'hui. Vous aurez une vidéo lit mouillé. D'accord. Bon, il y a pire comme souci. On aurait pu se faire tuer. Et maintenant, on fait quoi? Elle s'est réveillée dans un lit mouillé. Ça ne lui était jamais arrivé avant. Est-ce qu'on doit faire quoi? Elle a faim. Alors, papa va préparer à manger. Toi, il y a le lit à fouiller là. Va fouiller le lit. Parce que toi, tu dois avoir très faim. Non, t'as pas mangé hier. Ah ouais, non, il nous manque de l'eau. Oh zut. Ah, c'est pour dormir ça en fait. Ok. Fabrique, fabrique. Et toi, est-ce que tu peux terminer le lit? Ah, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Allez, va jouer à la corde à sauter. Je sais que tu as faim. Et va faire de l'eau, comme ça tu pourras manger. On pourrait manger tous les deux. Allez, fabrique. Ah, une fois qu'on a pour le faire, il y a le petit outil qui apparaît.
Ça, c'est bien. C'est bon à savoir. Ok, alors toi, va faire ça. Toi, va là aussi, hein? Va avec papa, ça te fera plaisir. Le temps que l'eau se fasse, prends du temps. Je sais que vous avez faim tous les deux. Alors, fais ça. Et toi, est-ce que tu peux faire ça? Toi, fouille. Ben oui, je sais que tu pourrais. C'est ce que je te demande, justement. Tout prendre. Quitter. Vas-y. Voilà. J'ai peur. J'ai peur. Oui, je sais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux casser la maison, la porte là ou... Ouais, tu peux. Il y a une porte là-bas? C'est quoi cette porte? Ah, c'est une armoire. Ok, donc il a besoin d'un loquet, mais bon, ça à la limite, on le fera. Et ben, tu peux descendre ici, chercher l'eau, et je sais pas si ça se met automatiquement, si on doit aller la chercher. Il y aura ça encore à faire hein, la prochaine fois. Est-ce qu'on peut déjà ramasser un peu d'eau ou pas du tout? Fixer le filtre n'accélère pas les choses, non? Ça, je m'en doute bien. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? On peut lui faire faire aller terminer le lit. Peut-être que la petite peut aller chercher de l'eau après, non? C'était vraiment, il manquait vraiment pas grand chose, hein. Alors on va aller lui faire faire les petits loquettes, t'es là-bas. Et toi, est-ce que tu peux aller... Ah, ça les met directement dans nos inventaires? Oui, très bien. Alors toi directement, fais-nous à manger. Enfin, faites-vous à manger. Et toi, tu peux venir ici. Comme ça, dès qu'il a préparé à manger, tu pourras tout de suite te servir. Voilà. Alors, la petite d'abord. Le papa ensuite. Ok, donc elle maintenant a suffisamment mangé et elle est triste. Ok. Donc on va aller faire des... Non, non, mange, 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 t'as pas fini de manger. Ok, ça suffira pour le moment. On va lui aller... on va lui demander d'aller faire les petits... Les petits pics, on va la faire jouer elle à côté, comme ça quelque part elle reste à côté dans la même pièce, ça peut jouer, hein. Donc tu vas faire un comme ça. Et dans sa bio, elle nous dit quoi? Je n'aime pas vraiment cet endroit, mais c'est mieux que notre sous-sol. C'est sombre et humide. C'est infesté de rats. J'espère qu'il n'y a pas de rats ici. J'ai peur des rats. Elles sont sales et te grimpent dessus quand tu dors. D'accord. J'imagine que ça doit jouer sur son moral à elle quand elle joue à côté de lui. Non, tu peux pas continuer à jouer. Qu'est-ce qu'on lui fait 4 heures? On lui fait faire un pied de biche en attendant? Ou pas? Quitter pour le moment. Je crois qu'on va lui faire faire dodo. Un petit peu. Non, mais il a pas sommeil en fait. C'est un peu bête ce que je fais. On va lui faire faire un filtre en attendant 7 heures, parce qu'ils vont avoir besoin d'eau tout de suite pour se faire à manger. Donc on va fabriquer le filtre. J'ai pas envie de rester ici, papa. Est-ce qu'on peut partir? Ouais. Tu vas pouvoir un jour. Voilà. On va lui faire faire le filtre directement. Comme ça, peut-être que pendant la nuit, l'eau va se fabriquer toute seule. Fabrique et toi monte près de lui, comme ça le temps du reste de la journée il va te parler.
ça sera peut-être 10 petites minutes. Dépêche, 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 dépêche. Voilà, maintenant, tu peux parler avec elle pendant 10 minutes. Voilà, c'est la nuit. Donc, on la met au lit, on prend de la nourriture et on retourne dans la maison. Il faudra aussi, c'est que je barricade... On m'avait dit, peut-être que barricader empêche les gens de venir... De venir pendant la nuit. Alors, c'était dans le cottage, préparé. Et alors, on va prendre un tout petit peu de nourriture. On va prendre ça. Comme geste de bonne foi. Et, attendez, on va prendre juste... Est-ce qu'on avait besoin... Est-ce qu'on avait tout ouvert? Je crois qu'on avait tout ouvert, donc on n'avait pas besoin... de quoi que ce soit. On fait vite un aller-retour, hein. Donc, on prend tout ce qu'on peut. On lui donne à manger. Si elle est encore là, hein, s'il vous plaît, faites qu'elle soit encore là. Ok, alors. On prend tout pour le moment. On triera après. Ah mince, c'était pas ici qu'elle était? Ah mince! Alors, le sucre, il paraît que c'est bon pour les échanges. Donc, on va toujours le prendre. Ah mince, c'était pas dans cette maison-ci. Oh zut! On aura un petit cadeau pour la fille, hein. C'est toujours intéressant. Il y a une armoire là. Ici, dépêche-toi. Des balles. On n'a pas d'armes. Donc, est-ce que c'est vraiment très intéressant de prendre des balles pour le moment? Ben, et on n'avait pas pour la déverrouiller. Oh, je l'ai pas pris le pic. Évidemment, en pensant que j'étais pas ici. Bon, ben, on faudra revenir. Quoi, tu me dis que le rat, il passe à travers la porte, comme ça? Tranquille? Plein de bois. Ça, on peut les prendre, c'est toujours ça. Alors, on va peut-être enlever du bois, on en avait pas mal. Pour les soins. Il ne fume pas, je crois. Ça, c'est quoi? D'où il donne ma feu? Par contre, peut-être que ça... Ça fait quoi? Et ça, c'est quoi? Herbe permettant de confectionner des médicaments à base de plantes et des cigarettes roulées. On va prendre ça. Parce que ça, je me dis, si jamais on doit faire des échanges, mon bonhomme ne fume pas, mais ça doit valoir cher. Donc il faudrait que je me note quelque part, en fait. Ici, il y a encore des composants et du bois. Ah mince! C'est quoi ça? Pièce d'arme. On va les prendre. Ce serait bien d'en avoir pour se protéger. Marchandises de valeur. Et ça, fertilisant. Servir pour des pièges pour les petits animaux. Ok, on va retirer le bois. Et on va prendre les fertilisants. Et c'est pas mal, hein, je pense. Bon, à savoir qu'il faudra qu'on revienne. Quand même faire pas mal d'allers-retours pour vider les affaires, hein. Pour vider un emplacement. Alors là, on croise les doigts, les gens. On a des petits cadeaux pour toi. Alors, oui, c'est bon. Ils sont pas, on s'est pas fait piller, donc c'est bon. Papa, tu es de retour. Oui, on est de retour. On est parti pour 50 minutes de... Et j'ai quelque chose pour toi. Oui! Tiens, toi. Va faire tes jouets maintenant que tu peux.
Oh mon dieu. C'est pas moyen d'accélérer le temps. Merci. Ah, il a besoin qu'on lui parle. Lui est triste? Ah non, il a faim et a besoin de repos. Ok, donc en fait, ce qu'on va faire, un petit ballon. Fabriquer. Je sais pas moi. Où est-ce qu'il doit travailler, le papa? On va le placer à côté du lit, dans sa chambre. Je sais pas si on peut le mettre là-bas, non, on peut pas. On est en train de perdre du temps pour rien. On est en train de perdre du temps pour rien. Là, comme ça, pendant qu'il fait à manger, on peut la mettre là-bas. C'est bien. Placé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire maintenant? Là-bas en haut, c'était fait. Ici en bas. Déblayer tout ça. Hop. Au moins, ça l'occupe 30 secondes. C'est bien. Alors, est-ce qu'on essaye de ressortir cette nuit? Toi, tu peux pas aider? T'as pas envie, je sais pas moi, de prendre une pioche et d'aider, même si tu fais trois cailloux. Ah, mince. Il y a quelqu'un à la porte. Et il a du troc. Alors s'il a de la nourriture, ce serait peut-être bien. Parce que ça nous permettrait de ne pas sortir cette nuit. Te dépêche pas, tu sais. Ça fait un moment que t'as pas dormi. Il est... Ouais, ça va, il est 10 h. C'est bon. Alors, échange. Montrez-moi ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'il a? Ah, des pièces. Les conserves, déjà on va les prendre. La nourriture, on prend, quoi qu'il arrive. Faux médicaments, on va prendre. Non, ça on va pas prendre, on n'a pas besoin. Les pièces d'armes. Ok, alors qu'est-ce que. Pas très intéressant. Ah mince. Toi? Et ça, c'est quoi? Attends, on va retirer toi, j'aimerais voir toi. Il va t'en falloir plus. Ok, on va pas donner les jouets de l'enfant. Vous plaisantez, il va m'en falloir plus, très bien. On avait pris ça. Non, 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 la viande on garde, hein. Le sucre? Ok, marché conclu, très bien. Attendez, hop, pas assez, comme ça. Et alors, est-ce qu'on peut avoir ça? Non, on peut pas avoir ça en plus. Ok, marché conclu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu pourrais nous donner peut-être? Pas assez, envoyez votre offre. Ok, eh ben écoutez, marché conclu. Donc on lui donne en fait toutes les choses qu'on n'a pas besoin pour avoir de la nourriture, des médicaments et des pièces d'armes. Ça me semble pas mal, hein. C'est pas un mauvais deal. Ferme la porte, on sait jamais. Non, ferme, je dis. Ok, est-ce qu'on a pour faire... J'avais fait de l'eau. Ça les a pas fabriqués. Donc ça les enlève une fois qu'on passe la nuit, ça les enlève. Est-ce que la petite a faim? La petite a pas faim et la petite est pas triste. Donc ça, c'est bien. Donc ce que je vais faire, je vais... Oh mince, j'allais dire, je vais aller faire passer la nuit, je vais aller faire dodo. Mais non. Parce que sinon, ça va annuler l'eau.
Alors, ici, maintenant, on peut se faire un couteau. Oui. Et on peut pas... On pourrait améliorer ça. Je sais pas si je l'améliore ou pas, en fait. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Pendant que l'eau se fait... Balancelle. Distillerie, ça on l'a fait. Et ça c'est pourquoi? Avec un peu de patience, l'eau et le sucre. Ouais, mais on n'a pas beaucoup. Un petit chauffage, on n'a pas besoin. Lit, on n'a pas besoin. On va refaire les consommables. Comme ça, ils sont déjà faits. Et on va aller terminer ça. Quand on double clique, ça le fait courir. C'est intéressant à savoir parce que parfois c'est vrai qu'il met beaucoup de temps à se déplacer. Et on a le pic pour ouvrir ce machin-là. J'espère que ça vaudra la peine ce qu'il y a derrière. Voilà. Quelqu'un à la porte, mais c'est toujours le monsieur de l'échange, hein. Oui, c'est ça. On aurait pu faire plus de loot pick, de la nourriture, des médicaments. On vient de donner tout pour, pour un médicament, c'est un peu dommage. Mais bon, tant pis, hein. Enfin, on en aura deux. En même temps, on est deux sous le toit, donc il vaut un petit peu mieux. Je vais refaire un truc pour les portes, on ne sait jamais. C'est toujours bien d'en avoir un d'avance. Et puis on va aller le mettre se coucher. Parce qu'il va quand même ressortir cette nuit. J'aimerais retrouver. Je sais plus où j'avais été avec cette femme. 3 nuits, j'espère qu'elle est encore vivante. Ah, mais c'est bien, elle commence à voir le côté positif des choses, elle. Allez, on va parler avec elle. Et puis. À ennemi, voilà, à ennemi, on le fait. Et c'est bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, non, c'est tout. Allez, va te reposer pendant 1 heure. Ah, une fois qu'ils sont en discussion, on peut pas les arrêter, c'est ça? Reviens me voir, j'aurai une devinette pour toi. Moi, j'ai une devinette pour toi. Devine qui va être fatigué cette nuit. Bon, au moins elle rigole, c'est déjà ça. Ok, allez, terminons la journée. La nuit. Et donc, on avait été. C'était au squad qu'on avait été. Donc, elle va dormir dans le lit, ça me paraît bien. Et donc, là, en fait, pourquoi j'avais pris les boîtes de conserve? Parce que je me dis qu'on va pouvoir lui donner une boîte de conserve à la femme. On va prendre ça, c'est jamais. Et on va partir. Donc tout à l'heure on avait fait ça assez vite. Peut-être que sur le temps qu'on met aussi en à tout faire joue sur le fait qu'on est raide ou pas. Donc, on va essayer d'aller la chercher directement. Je la vois plus. Voilà, on cherche pas, hein, on prend tout pour le moment. Triera. Oh mince. Elle est plus là. Alors ça on va prendre. Ça on a un stack. Ça va nous le compléter. Pour le moment on va retirer le bois. Et les composants. On va finir le stack de composants qu'on a là. On va ouvrir ça. Où est-ce qu'elle est? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, des livres, de l'alcool, la poudre à canon, ça va être bon pour les munitions, mais on n'a pas d'armes encore. On va partir, on va regarder ce qu'il y a d'autre. On a fouillé ça, je crois. Oh mince, elle est pas là.
C'était une femme tout à l'heure. Oh mince. Je l'ai trouvée comme ça, donc je crois qu'elle est morte, non? Oh non. Ouais, c'est son cas. Oh non, quelle horreur. On va prendre tous les composants qu'on peut, hein. Alors, j'ai traîné Toro à revenir. Quoi, en fait, il est méchant lui maintenant? Il monte, donc on va aller faire le premier en attendant. On va aller là pendant qu'il est là-bas au-dessus. Ah, il y avait une porte à scier là. On va prendre l'eau. On va vite partir avant qu'il nous voie. La porte. Voilà. Il descend. Parfait. Mais non, il ne m'a absolument pas vu. Bah, du coup, on va partir comme ça alors. Hein. Oh. Quelle horreur. T'as entendu des tirs? Ouais, mais ça vient pas de moi hein, quand même. Ça ne vient pas de moi. Bon, eh bien, je pense qu'on a bien une mort sur la conscience. Enfin, sur la conscience, c'est pas vraiment de notre faute, mais... Aïe, du fait qu'elle est là, c'est pas bon signe. Oh, mais non, mais c'est pas vrai! Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, eh bien, les gens, c'est sur cette malheureuse histoire et sur ce que ça va encore engendrer que je vous laisse. Hein. On a une petite mort sur la conscience parce qu'on l'a pas aidée. En même temps, on n'aurait pas pu le faire. J'ai été de bonne volonté. Hein. J'ai voulu retourner la chercher et la nourrir, mais trop tard. Donc voilà. On va voir un peu ce qu'on nous a volé. Et en plus, elle a été légèrement blessée. Oh, aïe, aïe, aïe. Elle a été légèrement blessée. Donc, on nous a pris ben, les réserves d'eau et la nourriture. Bon, ben, hein, voilà, ça me laisse sans mots. On va continuer, mais dans un prochain épisode. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente soirée. Je vous fais plein de bisous, bisous, et je vous dis à bientôt. Bye bye.